Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 11 avril 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'accepte de prendre conscience que chacun a sa place et que je dois prendre la mienne. J'accepte de m'aimer davantage, de m'affirmer et d'exprimer mes besoins en un mot d'être moi. Aujourd'hui, j'ai pigé le 7 de feu. Donc, c'est la suite de feu comme hier, et la suite de feu, elle parle de créativité, de passion, de carrière, etc. Défendez vos intérêts, vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Le 7 de feu, eh bien, pour certains d'entre vous, le moment est venu de vous défendre. On vous invite à ne pas laisser les autres vous faire douter de vous ou même vous dissuader de faire ce que vous savez être bon. Pour vous, n'est-ce pas, du moins. Vous savez précisément quoi faire. Vos pensées et sentiments, eh bien, sont parfaitement justes. Donc, on vous invite, ne cédez pas. L'heure n'est pas au compromis, n'est-ce pas? À moins que le jeu n'en vaille vraiment pas la chandelle. C'est une carte de duel. Elle souligne donc, en même temps qu'il faut que vous choisissiez vos combats. Votre énergie mériterait-elle de se concentrer sur autre chose peut-être, sur quelque chose de peut-être de plus important que des banalités? Fiez-vous à votre intuition et à votre instinct. Et si cette affaire est extrêmement importante pour vous, on vous invite à tenir bon. Sinon, ne gaspillez pas votre énergie. Ce n'est pas la peine, vous en aurez besoin. Ne vous laissez pas intimider, n'est-ce pas, par les personnes au pouvoir. Affirmez-vous. Affirmez-vous. Et pourquoi pas signer des pétitions, appeler peut-être votre mairie, participer à des manifestations pour montrer que l'union fait la force, n'est-ce pas? Nous sommes une époque où, voilà, le nouveau monde est là, n'est-ce pas? Et tenons-nous la main et surtout, soyons dans l'amour, parce que c'est l'amour qui triomphera. Alors, cette carte a des autres significations, elle affirme que vous avez des droits et que on vous demande de faire valoir vos droits. On vous invite à prendre aussi à apprendre à dire non. On vous invite à défendre aussi vos points de vue et faire preuve de courage dans l'adversité. La force 11 vous rappelle votre puissance. Et c'est avec l'archange Ariel, la lionne de Dieu, eh bien, elle sera à vos côtés pour relever tous les défis. Donc, on vous invite à appeler l'archange Ariel, à demander qu'il vous soutienne dans cette période, peut-être une période de conflit, n'est-ce pas? Donc, voilà, sollicitez ce bel archange Ariel. Il viendra vous aider, vraiment. Sollicitez aussi vos anges, vos trois anges d'incarnation, votre ange physique, qui est
familièrement nommé notre ange gardien, n'est-ce pas? Voilà pour le message de la carte du tarot de la sagesse des anges. Et je termine avec le petit oracle des anges gardiens. Et j'ai pigé aujourd'hui miracle. Mais oui, il y a des miracles. Le hasard n'existe pas, mais les miracles existent, n'est-ce pas? Mon bien-aimé, même si tous les espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Vous savez, dans l'au-delà, il n'y a pas le temps, il n'y a pas de calendrier, il y a... ça viendra au moment opportun. Mais, encore une fois, demandez à vos anges, il y a une justice terrestre, mais n'oubliez pas qu'il y a une justice divine. Ne l'oubliez pas. Et là-haut, ils peuvent intervenir à n'importe quel moment sur la justice terrestre. Ayez confiance en vous, vraiment. Défendez vos intérêts et vos convictions. C'est important. Voilà le message. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.